Le micro marche. Ah oui. D'être venu, projet de... Non, mais moi, c'est moi qui vous remercie de m'accueillir. Voilà, donc, la règle du jeu, c'est que c'est eux qui vont poser des questions. Moi, je vais juste faire passer la parole. Et ben, d'abord, bienvenue donc, à l'université. Et on va... Ben, je sais pas, on commence tout de suite, comme ça. Ça marche, ça ? Non, je me pose la question. Je ne sais pas si le micro est bien utile, parce que la salle est petite. Vous aimez mieux, bon. Mais ça commence, voilà. Alors c'est Capucine qui va commencer. Qui est Capucine. Ici on est tous écrivains, on a chacun nos manies, nos habitudes d'écriture. Et on voudrait savoir, on voudrait percer vos secrets d'écriture. Alors est-ce que vous avez des rituels ? Est-ce que vous écrivez plutôt à la main ou sur ordinateur ? Est-ce que vous écrivez à un certain moment de la journée plutôt qu'à un autre, dans un lieu spécifique, à l'aide de substances particulières ou en évitant de la musique peut-être? Et est-ce que vous pratiquez l'écriture sous contrainte? Non, écoutez, je ne suis pas maniaque, alors donc j'écris comme ça vient, n'importe quand, n'importe où. À part que, comme je suis assez illisible, je n'écris qu'à la machine, à l'ordinateur. Et l'écriture? Hein, sous contrainte, c'est moi qui m'inflige une contrainte, hein, c'est pas... Mais récemment, là, il y a eu à Aix-en-Provence, il y avait une réunion d'écrivains, et parmi les écrivains qui parlaient, il y avait un neurologue de Sainte-Anne, qui n'était pas écrivain, hein, mais qui nous a sorti une grande théorie en disant c'est pas le cerveau qui écrit, c'est la main. Il dit, voilà, on écrit, voilà, c'est la main qui écrit, puis le cerveau, ça vient après. Ça. Alors, moi, je simplifie parce que c'était beaucoup plus compliqué que ça, cette théorie. Et il termine en disant, en se tournant vers moi, j'étais assis à côté de lui, à la tribune, il dit, et tenez, voilà l'exemple même d'une main qui écrit. Alors, je dis, écoutez, je suis désolé, mais de ma vie, je n'ai écrit à la main. Alors, on a bien ri. Julien. Oui. Vous écrivez dans le Palais des Livres. Pour ma part, lorsque j'étais écolier ou lycéen, je n'ai guère écrit. Je ne me souviens pas d'un livre qui m'aurait donné envie d'écrire. Je n'étais d'ailleurs pas très bon en français. Mon point fort, c'était le latin. Pourtant, ma famille, mon entourage m'avait classé une fois pour toutes comme un littéraire. C'est étrange, on est souvent étiqueté de la sorte sans avoir rien fait. Sans doute parce que je lisais beaucoup. Moi, j'aurais voulu revenir en fait sur votre parcours d'écrivain. Qu'est-ce qui vous a, comment vous êtes devenu écrivain? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Et comment s'est passée aussi votre première publication? Bon, ça c'est très juste. Et j'ai besoin d'émulation, l'enfant. Si je suis pas dans un milieu de gens qui écrivent, si j'avais vécu à la campagne, je crois que j'aurais jamais écrit. Mais si je suis entouré de gens qui écrivent. Si je lis un bon livre, ça me donne envie d'écrire. Donc c'est ça que ça veut dire, là, le passage que vous avez cité. Et alors, en effet, dans ma scolarité, j'étais fort en latin, pas du tout en français. Et alors, ça, c'est un mystère. Pourquoi on est étiqueté sans avoir rien fait? On dit oui, c'est un littéraire. Alors, peut-être parce que je lisais beaucoup, hein, ça c'est vrai. Et on vivait à Pau à l'époque, et ma mère s'est inquiétée, elle m'a amené voir un professeur de médecine à Bordeaux, et elle lui a dit, vous savez, il lit tout le temps, alors ça va lui détraquer quelque chose dans la tête. Le
professeur a rigolé, j'ai eu l'autorisation de continuer à lire. Mais comme en général, je lisais à plat ventre sur le tapis, sous une table, comme ça. Ma mère, qui était opticienne, a prétendu que ça m'avait rendu myope. Ça doit être vrai, ça, oui. Et alors, comment je suis venu à l'écriture? Oui, alors dès qu'il y avait une chose à écrire, quand même, on faisait appel à moi. Enfin, quand j'étais étudiant, tant que je vois les étudiants, etc. Et puis à la libération de Paris, là, on m'a dirigé vers les petits journaux de la Résistance. Et je me suis retrouvé, et c'est comme ça que je me suis retrouvé ensuite embauché par Albert Camus à Combat, qui était le quotidien. Et Combat, ça, on aurait dit une succursale de la Nouvelle Revue Française. Tout le monde écrivait, avait écrit, voulait écrire. Alors je me suis dit, tiens, je vois si je sais faire comme les autres. Alors j'ai essayé. Mon premier livre, c'était un. Comme j'avais suivi comme journaliste beaucoup de procès après la Libération, j'ai essayé de faire une sorte de phénoménologie de l'appareil judiciaire. C'était la philosophie en vogue à l'époque. Et j'ai donné tout naturellement le manuscrit à Camus, puisqu'il avait une collection chez Gallimard, une collection qui s'appelait Espoir, qui faisait qu'on se moquait beaucoup de lui, parce que sa collection qui s'appelait Espoir, ce qui dans son idée, ça voulait dire on entre, c'est pas des espoirs de la littérature, c'est on entre dans une période d'espoir après le nihilisme de la guerre. Alors on lui dit, mais ta collection Espoir, tu publies On joue perdant, Colette Audry, L'asphyxie de Violette le Duc, Le dernier des métiers de Jacques-Laurent Boss, L'erreur de Jean Daniel, un livre qui s'appelait Le rôle d'accusé, j'en oublie, il y en a d'autres encore. Il y avait ta collection Espoir. Bon, mais. Et alors après, je me suis. Bon, j'étais content d'avoir eu un livre, mais je me disais, bon, un essai, après tout, c'est comme faire une disserte à la fac. Hein, c'est pour voir si je sais faire un roman. Alors j'ai essayé de faire un roman. Et puis après, j'ai des nouvelles. Enfin, bon, voilà. Puis après, on est pris dans l'engrenage. Je voulais juste vous demander aussi, d'après votre propre expérience, est-ce que vous pensez que l'écriture est un talent inné ou est-ce qu'elle peut s'apprendre? Non, on apprend. Enfin bon, il faut pas. Il y a des gens qui n'y arriveront jamais, mais pas il faut apprendre. Et même pour une seule personne, la façon d'écrire évolue. Ben, bon, quand j'ai débuté, justement, c'était dans le fond en plein la période lendemain de la guerre. Donc, on parlait que d'existentialisme, Sartre et tous ses compagnons, son école, c'était une sorte de nouveau naturalisme, en fait. Et ces gens-là avaient, tout ce qu'ils écrivaient, c'était le sujet qui leur importait, et ils écrivaient n'importe comment, c'était souvent très, très mal écrit. Bon, Simone de Beauvoir écrivait très mal, et quand on lui faisait remarquer, il disait « je fais exprès ». Et alors, à l'opposé, il y avait les romanciers de la jeune droite, qu'on appelait les hussards, comme Nimier, Blondin, Jacques Laurent, Déon, qui soignaient la forme, qui avaient des fois pas grand-chose à dire, mais qui soignaient vraiment la forme. Et puis, dans le fond, les années passant, on s'est rendu compte que la forme et le fond sont inséparables, enfin, et que c'est souvent la forme qui, par sa, j'ose pas dire, par sa perfection, qui donne du fond. Ce qui veut dire que vous préférez Nimier maintenant à... Non, pas du tout, non, mais si, on finit par arriver à une épuration de la langue, et ce qui est très satisfaisant, parce qu'on ne peut plus distinguer le fond et la forme. Je voulais vous demander aussi, est-ce que votre famille vous a peut-être toujours soutenu dans votre parcours professionnel?
professionnelle? Bon, ma famille, c'est-à-dire à l'époque où je pouvais espérer avoir quelque chose, au moment où j'ai eu le bac, si vous voulez, ma famille était en pleine débâcle. On s'est tous séparés d'ailleurs. Mon père est parti à Oyonnax, dans l'Ain. Ma mère s'est installée à Tarbes. Moi, j'étais pion à Prades, dans les Pyrénées orientales. On m'a laissé faire ce que je voulais. Léa. Dans Regardez la neige qui tombe, vous reprenez une citation de La Mouette de Tchekhov qui dit: mieux vaut être un petit écrivain que de n'être pas écrivain du tout. Et à partir de là, on voulait vous demander en fait quel regard vous jetez un petit peu sur la posture ou le statut de l'écrivain. On a posé souvent la question, oui, pourquoi écrivez-vous? Alors il y a eu toutes sortes de réponses. Je crois qu'il y a... Samuel Beckett qui a donné la bonne réponse, il a dit « bon qu'à ça ». Et du coup, vous prenez souvent la défense, entre guillemets, où vous ramenez au jour des petits écrivains ou des écrivains mineurs, comme dans des livres, comme dans Instantané par exemple, où vous allez chercher des gens qu'on ne connaît pas trop ou qui sont oubliés ou qui risquent d'être oubliés pour les maintenir présents. En quelque sorte, du coup, je voulais vous demander si vous pensez qu'il y a une grandeur dans le petit écrivain. Non, je sais ça parce que ce qui me frappe et qui m'afflige beaucoup, c'est que autrefois, ce n'était pas comme ça. Autrefois, souvent, quand un écrivain mourait, tout d'un coup, il traversait une période d'oubli, on disait « Ah, il est dans le purgatoire, mais il va ressortir ». Ben maintenant, il tombe, c'est pas dans le purgatoire qu'il tombe, il ne ressort plus jamais. Et les auteurs morts il y a 20 ans, 30 ans, qui n'ont absolument pas démérité, ils tombent dans l'oubli, on ne sait même plus leur nom. Hein. Je dis Claude Roy, les gens disent qui c'est. Ça fait de la peine, hein. Bon, surtout que ces gens, ils valent bien les autres. Et je ne choisis pas parce que c'est des écrivains mineurs, c'est parce qu'ils tombent dans l'oubli autrement. Qui se soucie de Marc Bernard, qui est un merveilleux écrivain. Plus personne ne sait qui c'est. Louis Guillou, péniblement, parce que les Bretons font un gros effort pour le maintenir à la surface. Mais je me demande maintenant si les seuls écrivains qui surnagent, un exemple c'est Romain Gary, là, cher Julien Roumet, c'est parce que, en plus de leur œuvre, du talent qu'ils ont pu avoir, ils ont eu un destin tragique. Alors ça frappe l'imagination des gens. C'est le cas de Gary. Un petit peu de Camus, même Camus, il y a le fait qu'il est mort dans un accident d'auto, qui joue. Et il y avait quelqu'un qui avait senti ça, qui était Gaston Gallimard, le vieux Gaston Gallimard, fondateur de cette célèbre maison. Et un jour il m'a dit « Oh, vous faites pas ce qu'il faut pour être connu, vous devriez vous tuer en auto. » Il avait le génie de la provocation, mais il avait duré quand même. Mais du coup, est-ce que, j'aimerais juste une question, mais est-ce que Marc Bernard, Guillou, vous les avez fait republier quand même récemment, dans les dix dernières années, il y a un certain nombre de livres qui sont ressortis. Ben, on essaye, oui, mais ça n'a pas beaucoup d'écho quand même. Alors peut-être passer une autre question, Kevin. Oui. Alors moi, j'aimerais vous parler de votre statut d'écrivain, à vous. Pendant ma lecture de vos nouvelles et de vos romans, j'ai remarqué que vous faisiez régulièrement appel à des anecdotes, à des références culturelles, dans vos histoires qui sont en général des histoires plutôt intimes. Et à tel point que pendant ma lecture, j'avais l'impression d'être plus en compagnie d'un conteur
que d'un romancier traditionnel, en fait. Donc, j'ai vraiment remarqué une proximité entre le lecteur et vous en racontant l'histoire. Donc, j'aimerais savoir si en écrivant, vous vous sentiez un peu conteur en écrivant vos textes, et j'aimerais connaître votre sentiment sur le sujet. Ah, c'est une question difficile, ça. Pardon. Le conteur, ben non, mais si on écrit, on est conteur. Bon, vous voulez dire qu'il ne construit pas un roman dans les règles de l'art? Moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout la proximité qu'il y a entre vous et le lecteur, en fait. On a vraiment l'impression que c'est quelqu'un bon, qui le raconte. Non, bon, j'ai peut-être une mémoire un peu trop anecdotique. Je m'en souviens de tas de petites bêtises, vraiment. Il y a mon ami, l'écrivain Jean-Marie Laclaptine, qui dit « Tu as une très très bonne mémoire, mais tu te souviens que des bêtises. » J'emploie un autre mot, d'ailleurs. Et puis, alors là, il y a une chose, je ne sais pas si c'est une qualité ou un travers, au contraire, c'est qu'il y a tout le temps, quelle que soit la situation, quoi qu'il se passe, etc., il me vient une référence littéraire. Mmh. Souvenir d'un livre, d'un écrivain. Ça s'en ressort, évidemment. On a parfois, notamment dans le Palais des Livres, on a l'impression d'être plus dans une conversation, en fait, dans une discussion avec quelqu'un, que ce qu'on peut avoir dans un rapport lecteur-romancier, en fait. Dans le Palais des Livres, j'ai essayé de ne pas être trop... trop doctoral, quoi. C'est une conversation sur quelques sujets littéraires importants. Le silence, pourquoi une œuvre est inachevée, c'est qu'une nouvelle. Bon. Ça, c'est tout à fait délibéré, alors. Mais Charlotte. moi, en fait, je me suis intéressée à ce que vous disiez dans Impressions sur Tchekhov. Vous décrivez la tendance qu'il a, donc je vous cite, à choisir des créatures malheureuses et indignes. Pourquoi cela? Parce que nous nous reconnaissons en eux. Du coup, ma question, la question qui découle de cette citation, c'est de savoir si vous pensez que la souffrance et où les malheurs peuvent avoir une influence sur l'écriture, ou est-ce que ça découle vraiment, que l'écriture découle de ça? Mais c'est-à-dire que ça fournit de meilleurs sujets que le bonheur. Hein. je crois que c'est Anna Karenine qui commence comme ça, non, hein, qui dit qu'il n'y a rien à raconter sur les gens heureux. Oui, alors évidemment, il y a quand même une tonalité très forte chez Tchekhov, là, de compassion pour tous les malheureux. En même temps, quand on lit sa correspondance, quand on connaît bien sa vie, il est très froid. Hein, ça passe dans sa littérature, mais lui, il est d'une grande froideur. Quand il va mourir, là, on essaye de lui mettre de la glace sur le cœur, puis il dit on ne met pas de glace sur un cœur vide. C'est une phrase terrible, ça. Du coup, j'avais une phrase de relance, mais il a répondu. Tiffany. Vous avez écrit un livre sur Fitzgerald, qui a priori est un écrivain qui semble plutôt éloigné de vous par sa réputation d'écrivain paillette et autodestructeur. Et pourtant, il semble que vos œuvres ont en commun cette touche de désastre qui vous a séduit chez Fitzgerald, et cette impression de temps perdu à jamais dont vous parlez à propos de son œuvre. Donc voilà, je voulais savoir si vous étiez d'accord déjà avec cette affirmation et si vous voulez nous parler un peu de cette écriture. Oui, non, mais alors, bon, Fitzgerald, c'est quand même un cas très intéressant parce que il est célèbre à 20 ans. À 30 ans, c'est fini, on ne lit plus ses livres. Et à 40 ans, il est mort.
C'est un destin très ultra rapide et il devient complètement oublié. Et puis il y a une renaissance après la guerre. Le hasard, le travail, mon métier, tout ça font que moi je me suis intéressé à lui. J'ai fait les premières choses sur lui en France au moment de sa renaissance après la guerre. Grâce à un ami de la radio, là, Alain Trutat, alors on a fait déjà une sorte de grande biographie, enfin une dramatique d'après une grande biographie pour la radio. C'était une super production pour la radio à cette époque-là, il y avait 20 acteurs, enfin, c'était extraordinaire. Et sentimentalement même, ça me reste parce que, par exemple, mon ami Claude Roy, dont je parlais tout à l'heure, il y avait Lolé Bellon qui faisait Ginevra King dans ma pièce. Hein. Et Claude Roy, qui était un grand distrait, se trompe de studio, entre dans le studio, il voit Lolé Bellon et ils ne sont plus jamais quittés. Hein. Et autre chose un peu sentimentale, pour la musique à l'époque, c'était très difficile de trouver de la musique d'époque, du Charleston, des trucs comme ça. J'ai demandé à Brésian quelle musique je pouvais employer, etc. Il m'a passé les disques de Big Spider Beck. Bon, c'est des souvenirs comme ça qui me restent Fitzgerald. Bon, alors cela dit, son œuvre est inégale, mais il y a des choses. Great Gatsby, c'est un grand chef-d'œuvre. C'est fait, du point de vue romanesque, c'est fait d'une manière extraordinaire. Très très bien fait, le choix du narrateur, tout ça. Et alors ce qui est curieux, c'est que ce type qui, avec sa femme Zelda, se conduisait comme des imbéciles tout le temps, il faisait des provocations, il avait des accidents, il faisait des bêtises, il était assez odieux. Hein. Eh bien, dès qu'il parle littérature, c'est merveilleux, c'est impeccable. Il est absolument double. Quoi. Et je me demandais si vous aviez vu la dernière adaptation de Gatsby. Oui, mais c'est pas bien du tout. La première non plus, d'ailleurs. La première n'est pas bien. En revanche, le dernier Nabab, c'est pas mal du tout. Ça. C'est une adaptation du dernier Nabab, qui est le roman inachevé de Fitzgerald. Ça tient le coup. Ouais. Je voulais m'intéresser. On a l'impression que pour vous, l'écriture et la photographie se rejoignent. Vous dites même dans Le secret d'une photo, l'art du portrait est proche du roman. Il propose à sa façon une histoire. Il libère l'imagination. Et donc ma question, c'est quel rôle a joué la photographie dans votre écriture ? La photographie, j'ai pratiqué depuis l'âge de 10 ans. Chez moi, tout le monde avait un appareil photo. Moi, j'avais un tout petit bébé Vox. Ma mère avait un Kodak un peu plus grand. Mon père avait un 6,5-11 encore plus grand. C'était une hiérarchie comme ça. Et j'ai toujours été passionné par la photo. Et puis, toute ma vie, j'ai fait de la photo. Je me suis intéressé à la photo. Et le hasard, en plus de... un hasard extraordinaire fait que j'ai une amie d'enfance qui s'appelait Gilbert Boyer, qui est une paloise, qui a épousé Brassailles, le très célèbre photographe Brassailles. Alors, d'enfant, je suis venu l'intime de Brassailles. Comme il était hongrois en Transylvanie, là, on l'a servi de famille, quoi, finalement. Alors, c'est moi qui l'ai marié, c'est moi qui l'ai enterré. Et avec lui, évidemment, j'ai beaucoup parlé de photos, beaucoup discuté de photos. Mais j'avoue que je l'ai jamais vu prendre une photo. Parce qu'il n'était jamais où on l'attendait. Alors on voulait qu'il fasse une photo, et il se mettait à faire de la sculpture, ou bien dessiner un tableau synoptique de l'histoire du monde, enfin n'importe quoi. Collectionner les thèmes, tous les thèmes qui représentent des Spoutnik. Et ce livre-là, pour l'édition américaine,
Il n'y a pas ma photo par Brassai, il y a une photo de Brassai par moi. Parce que le livre est illustré dans l'édition américaine. Et je veux ajouter une chose, c'est quand même que la... Oui, le numérique, ça m'a un peu désarçonné quand même. Bon, d'une part. D'autre part, les photographes sont pires que les peintres ou les écrivains, ils se détestent entre eux. On peut pas être ami avec plusieurs photographes, chacun a le sien. Bon, moi c'était Brassai, Claude Roy c'était Cartier-Bresson, Daniel Pénac c'est Douaneau, voilà. Mais ça fraye pas ensemble. Hein. Et vous dites aussi dans ce livre toujours que la photographie c'est un tremplin pour l'imagination. Donc je me demandais, est-ce qu'il vous arrivait d'écrire à partir de photos? Oui, absolument. Souvent. Absolument, oui. Et je suis content de trouver des photos quand j'écris, sur le passé. D'accord. Et j'aimerais vous demander si vous voudriez bien nous raconter une photo que j'ai ici. Donc. Cette photo-là. Ah bon, ça c'est la photo de. C'est la photo de la rédaction de combat, ça va être le 2 janvier 45, qui fête le nouvel an devant le verre. Alors, oui, ben voilà, vous n'allez pas pouvoir voir, il y a. Je peux en tenir une là, comme ça. On en a des copies. On voit Albert Camus. Non. À côté de lui, avec une cigarette et un verre à la main, Albert Olivier. Un peu en dessous, Albert Olivier, Jean-Claude Michel. Alors, le personnage hirsute avec des lunettes, c'est moi. Un peu plus loin, il y a Pascal Piat. Et puis, derrière Pascal Piat, il y a les lunettes d'Henri Calais. Et puis, il y a François Bruel. Et au bout, Serge Karski. Voilà. C'est une photo du photographe de combat qui s'appelait Saint-Paul, qui était un très brave type, très gentil. Et j'ai une deuxième photo. En fait, c'est une photo qu'on aime beaucoup. Et est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Ah ben oui, avec c'est une photo de Booba. C'est une photo de Booba avec mon chien. Ah non, c'est pas une photo, c'est pas celle-là qui est une photo de Booba. Mais il y a une photo analogue de Booba. Ben, c'est mon chien Ulysse. Dans les caves de Gallimard, là où il y a les stocks de livres. C'est dans les caves de Booba? Oui, pas dans le magasin, quoi. Alors, ce chien, ben, c'était un. Dans le prochain livre qui est une série de portraits, j'ai terminé en, c'est pas pour faire le malin, mais en disant que, en énumérant tous les gens célèbres qu'a fréquenté Ulysse. Alors c'est pas du snobisme, c'est parce que c'est mon métier de connaître tous les écrivains. Alors on voit Ulysse avec Marguerite Yourcenar, Ulysse avec Ionesco en train de se faire des grimaces, mais quand même, etc. Et Ulysse chez Gallimard, il connaissait tous les bureaux, dans chaque bureau il savait le placard où il y avait des gâteaux. Il y avait le directeur artistique Massin, grand graphiste, qui lui avait appris le mot traumat, c'est un mot breton qui est une sorte de gâteau. Il y a des bretons. Hein. Alors quand il disait, quand Massin disait traumat, le chien se mettait à pousser des cris. Enfin. Et pour rebondir, parce que je crois qu'on n'a pas préparé de questions là-dessus, mais sur les animaux, parce que est-ce que les animaux ont un rôle dans l'écriture ou dans... Moi j'aime tous les animaux en fait. Bon, j'aime particulièrement certains chiens, mais j'aime tous les animaux et c'est un travers, j'essaie toujours de séduire. Quand je vois un animal, j'essaie de le séduire.
Alors, une de mes fiertés, là, bon, ça, vous allez vous foutre de moi, là, quand j'étais journaliste, un jour, on vient dans la salle de rédaction, une femme, avec un cabas, une fermeture éclair, elle ouvre, et elle sort de là un python de 3 mètres de long. C'était une artiste de musical qui faisait un numéro avec son python, et alors elle voulait qu'on parle d'elle. Vraiment. Et alors ce python, alors elle le mettait autour de son cou, puis il donnait des baisers, avec des petits coups de langue comme ça. Mais il ne le faisait pas à n'importe qui. Et alors moi j'ai eu le droit à baiser le python, j'étais très très fier. Est-ce que Gary connaissait cette histoire? Non. Non. Non, c'est dommage parce que... Avec gros câlin. Avec gros câlin, c'est... Mais gros câlin ne fait pas de baiser. Non, non, non. Non. Le baiser du piton, oui. Quand j'ai eu toute une interprétation freudienne de gros câlin, où évidemment le piton... Élodie ? Oui, je suis là. Moi, j'aimerais évoquer les différents métiers que vous avez eus durant votre vie. Vous avez été, entre autres, journaliste, éditeur, écrivain. Et j'aimerais donc savoir si, parmi toutes ces facettes, il y en a une qui est plus importante pour vous que les autres. Est-ce que toutes ces activités se complètent ou la différence, est-ce qu'elle s'oppose ? Est-ce que vous établissez des liens entre ces différentes professions ? Bien, je ne me suis jamais posé la question, mais des fois j'énumère tous les métiers que j'ai pu faire. Bon, un moment, pendant tout un été, là, j'ai fait le labo photo, développer des photos. Bon. J'étais projectionniste dans le cinéma de mes parents. J'ai été pion, j'ai passé un métier. J'ai travaillé une sorte de truc de fonctionnaire là, dans un rayon qui s'occupait des bouteilles pendant la guerre. Et puis j'étais journaliste ensuite, pendant 20 ans quand même. Puis j'en avais assez, puis je trouvais que le métier s'abîmait, enfin, se dégradait. Et là, on m'a proposé de venir chez Gallimard, donc c'est quand même assez agréable d'être dans une maison, de s'occuper de littérature, de voir des écrivains, quoi qu'ils ne sont pas toujours très commodes, mais posent des problèmes. Mais bon. Et puis, mais je n'ai jamais considéré écrire comme un métier, c'est-à-dire comme une façon de gagner sa vie, parce qu'il faut compter là-dessus. Et je pense que c'est très important pour un écrivain d'avoir un second métier. Parce que d'abord, comme ça, ce n'est pas coupé de la vie. Si, pour un écrivain qui ne fait qu'écrire, hein, il ne sait plus rien de la vie finalement. Parce que si on est dans un métier quelconque. Oui, je pense aussi. Et quel est le métier qui vous a le plus plu ? Non, je dans l'édition, là, je suis bien, puis c'est. C'est lié à une maison quand même. Merci. Voilà. Mais on pourrait même aller plus loin d'ailleurs, parce que la plupart des écrivains ne sont pas des professionnels du milieu littéraire à l'origine. Non, bien sûr, mais c'est mieux pour ça. Tchekhov, par exemple. Le médecin, oui. Alors ça, il y a eu beaucoup de médecins écrivains, il y avait même à une époque une société de médecins écrivains. Bon, cela dit, c'est un très mauvais médecin. Oui. Bon, un célèbre médecin qui est Céline, Louis Ferdinand Céline, il est mort sans savoir qu'existait la pénicilline. Oui, donc c'est un second métier quand même. Oui, ça reste... Où Conrad était
capitaine au départ, de bateau au départ. Oui, 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 mais ça, il était pour de bon. Hein. Oui, il était pour de bon. Mais c'est sa mauvaise santé qui l'a obligé à abandonner. Elodie, Laura. Bonjour. Bonjour. Alors, j'aurais une question sur votre méthode d'écriture. Roland Barthes parle de voix blanche pour qualifier l'écriture de Camus. Et on remarque dans vos œuvres que le narrateur comme l'auteur garde toujours une mise à distance avec ses personnages. Donc, ma question sera, est-ce que vous êtes d'accord si l'on vous dit que, comme Camus, vous pratiquez cette voix blanche dans votre écriture? Ben, je crois que Camus n'était pas du tout d'accord avec l'analyse de Roland Barthes. Et c'est plus intéressant, je pense, que Sartre a dit de l'étranger, de Meursault, de la conscience de Meursault. Et dans le fond, c'est un tour de force, cette histoire de... Il prend... Bon, le héros de l'étranger, c'est un homme qui, dans le fond, dont la conscience est vide, qui n'a pas de conscience, qui dit toujours la vérité, mais qui n'a aucune réaction émotionnelle. Et Sartre a comparé ça à quelqu'un qui... On regarde quelqu'un parler au téléphone à travers une vitre, et donc on ne comprend pas ce qu'il dit, ça n'a aucun sens. Et, on touche le vide de la conscience. Et alors le tour de force littéraire, c'est que au lieu de raconter cette histoire-là à la troisième personne, Camus fait dire je. C'est Meursault qui dit je tout le temps. Donc on est vraiment au cœur de cette conscience néantifiée. Et Roland, l'expression là, de voix blanche là, de Barthes, ça s'applique. Vraiment, ça vise un peu le style, et ça, c'est pas juste, je trouve. Alors, le style de l'étranger, on a dit beaucoup de choses. On a dit, par exemple, c'est du Kafka écrit par Hemingway. c'est pas vrai non plus. Hein, bon, parce que... Mais ce dont s'est servi Camus, quand même, c'est du procédé... de certains écrivains américains là, des années 20 là, de se borner aux paroles et aux actes des personnages sans jamais entrer dans leur conscience. Bon, Hemingway fait ça souvent, ben c'est ça c'est tout le temps dans l'étranger. Quoi. Mais concernant votre style d'écriture, on peut remarquer que vous écrivez souvent à la troisième personne du singulier. Est-ce qu'il y a une volonté de neutralité derrière, venant de l'écrivain ou du narrateur ou pas? Avant de commencer un roman ou une nouvelle, je me pose longuement la question, est-ce que ça va être à la première personne, à la troisième personne? Je ne parle même pas de la deuxième personne comme faisait Butor. Hein. Et puis quel est le rôle? Parce que la troisième personne, ça peut être... l'auteur qui sait tout, ou bien un témoin, le projecteur sur un témoin, là, c'est les gestes qu'on raconte, ou bien le héros principal. Enfin, bon, il y a 36 façons d'utiliser la troisième personne. Et la première personne aussi, d'ailleurs. Et vous citiez Conrad. Alors, Conrad, il y a des cascades de narrateurs, des fois, dans un roman de Conrad. Il y a un narrateur qui raconte une histoire qu'un autre a racontée. Donc, ça demande une grande... Avant d'écrire, il faut bien réfléchir au choix qu'on va faire, au choix de la personne, et raison. Merci. Mais, pour rebondir sur l'écriture, sur le style lui-même, tout à l'heure, au tout début, vous disiez en retranchant des choses, en arrivant à une sorte de... Non, alors il y a cette chose, enfin, qui est un peu inexplicable, c'est que... Bon, j'écris quelques pages, une page, voilà. En relisant, il y a des choses, ça c'est pas moi. Je me reconnais ou je me reconnais pas, ouais. J'enlève. Et tout le monde sent ça. Hein.
C'est quoi, c'est des habitudes ou des choses qui sont oui, prises c'est des choses qui sont trop étrangères à la fois dans le style, peut-être des fois dans la pensée aussi. Mmh. Mais on rajoute, vous rajoutez des choses aussi ou... Je peux rajouter aussi, oui. Mmh. Mais enfin, ma tendance, c'est un peu de couper un petit peu. Et dans ce cas-là, vous revenez sur une page avant d'arriver à un état définitif. Vous revenez beaucoup sur le texte. Pour tout dire, je réfléchis longtemps. Je parle dans les choses romanesques. Hein, pour faire un point roman, je réfléchis longtemps. Je n'écris jamais sur un sujet d'inspiration immédiat. Je réfléchis des années, peut-être des fois. Puis j'écris vite. Mais après, quand on écrit vite, après, on s'aperçoit qu'il y a des répétitions de mots qu'il faut corriger, il faut relire. Nettoyer un petit peu ce qu'on a écrit. Quoi. Mais le premier jet reste à fin de... Oui, en gros. En gros, c'est ça. Oui. Alors, je ne fais pas des plans. Hein, Il y a des gens qui font des plans très minutieux, etc. Là, je change un plan, là, j'écris comme ça. Et ça m'est arrivé de rester bloqué une fois. Oui. Mais d'un moment, puis je ne voyais pas comment le continuer. Et... Alors j'ai mis de côté, puis j'ai fait autre chose, et puis un an ou deux ans après, c'est reparti. Il y a d'autres questions sur cet aspect-là, même pas forcément de Laura d'ailleurs, mais... Je voulais savoir si vous disiez que vous étiez resté bloqué au milieu de l'écriture d'un roman, est-ce que vous commencez à écrire par le début nécessairement? Ou est-ce qu'il vous arrive de commencer par ce que vous voulez le plus raconter dans le roman? Non, je commence par le début. Oui. Non, je sais pas. Oui. Donc, suivez toujours une cohérence chronologique. Oui. Ça. Non, vas-y. Non, c'était pour... est-ce que vous pourriez nous parler de vos nouvelles? Qu'est-ce que, au niveau du procédé d'écriture, qu'est-ce qui... Bon, là, moi, je trouve que la différence entre le roman et la nouvelle, j'ai tendance à l'expliquer par... à dire ce qu'on éprouve en écrivant. Écrire une nouvelle, on peut y avoir réfléchi longtemps, et puis on l'écrit très rapidement, en 2-3 jours, on la corrige un petit peu après, et puis on n'y pense plus. Et puis, tandis qu'un roman, c'est un compagnon avec qui on va vivre pendant plusieurs mois, peut-être une année, peut-être même plusieurs années, et c'est très délicieux d'ailleurs, très agréable, mais ça n'a aucun rapport avec donc, la nouvelle, qui est peut-être, c'est comme si on faisait un article de journal, la nouvelle. Et alors c'est bien expliqué par plusieurs auteurs de nouvelles, comme Flannery O'Connor par exemple. Et alors si on a un peu la réputation d'auteur de nouvelles, il y a une chose qui est exaspérante, c'est tous les amis et connaissances, dès qu'ils voient une bêtise, ils disent « Ah, c'est une nouvelle pour toi !» Et il y avait un homme, un grand sociologue, là, George Friedman, très, très savant, très respectable, que j'aimais beaucoup, et qui était, avec qui j'étais devenu assez ami. Il aimait beaucoup sortir avec moi, aller au restaurant, tout ça. Bon. Je vais le chercher chez lui, il habitait dans le quartier de la Muette à Paris. Et puis on sortait dîner, il me dit, alors je disais, mais on n'amène pas Madame Friedman? Il me disait, non, je lui ai acheté une télévision. Et alors, toutes les conneries qu'il pouvait voir, il disait, c'est une nouvelle pour vous. Et ça me mettait dans un état de rage, finalement. S'il dit encore ça une fois, je n'écris plus jamais de nouvelles. Bon, résultat, j'ai écrit une nouvelle sur sa manie de dire c'est une nouvelle pour un.
Et là, vous avez dit que c'est. Vous avez fait référence au métier de journaliste, en fait, en parlant de la nouvelle. Donc, ça fait un lien déjà entre les deux métiers. Ben, il y a des. Bon, par exemple, il y a Hemingway, il y a quelques nouvelles de lui qui sont en fait des articles, des reportages qu'il avait faits, ou des articles, qu'il avait, des chroniques qu'il avait envoyées à des journaux américains ou canadiens, et qui, où il n'a rien changé, quoi, ou peut-être changé le titre, et, pendant la guerre d'Espagne en particulier. Et ça devient nouvelle. Moi, ça m'est arrivé peut-être deux ou trois fois comme ça de qu'un reportage devienne nouvelle. Je me rappelle une fois, j'avais été, oui, quoi. Je sais pas où, en Normandie, quoi, pour le suicide d'un juge d'instruction, qui était un drôle de type un peu qui se clochardisait un peu. Et donc. Je trouvais que ça faisait une nouvelle. Mais c'est que le reportage était traité déjà un petit peu comme une nouvelle. Et tout à fait. Vous l'avez réécrit quand même par rapport à la. Pas beaucoup. Pas beaucoup, oui. Pas beaucoup. Mais c'est au début du Palais des Livres, donc vous dites qu'en fond, inversement, un fait divers raconté dans un journal, c'est une sorte de nouvelle. Ça s'appelle, c'est une histoire racontée parce que c'est. Oui. Mais non, mais c'est rien. Il y a le problème que. Quoi qu'on veuille dire, dans les romans ou les nouvelles, on ne peut pas se passer d'un début. Hein, il faut. Oui. Il y a. Et donc, il faut. Et souvent dans la vie. Dans la vie, bon, vous apprenez un événement, un fait divers, je sais pas quoi. C'est très très difficile de voir quand ça a commencé. Et puis, en général, il n'y a pas de fin. Et là, il faut, le journaliste et l'écrivain sont obligés d'inventer, de commencer à un moment, puis de finir à un moment. Donc, c'est à peu près le même procédé. Et tout à l'heure, vous parliez. Pardon. Oui, je vous en prie. Vous parliez du plaisir de vivre avec un roman en train d'écrire. Ah ben oui, c'est un compagnon. Un compagnon, et alors on rajoute un petit truc, il y a une équipe, il y a tout ce qui se passe dans le monde et dans sa propre vie, l'alimente. On nourrit le roman. C'est vraiment agréable. Blandine, il y a une question, mais après je te. Et qui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous relie pendant l'écriture de votre roman, progressivement? Et quand on parlait de correction tout à l'heure, quand vous corrigez, c'est d'abord vous, c'est avec une personne, est-ce que c'est toujours la même? Non, non, j'attends que ce soit terminé pour le faire. Et mais là, bon, étant donné que je fais partie du comité de lecture de Gallimard, je suis dispensé de comité de lecture. Bon, on ne va pas me faire sortir derrière le couloir pour parler de discuter des mérites ou des défauts de mon roman. Donc, mais jamais je voudrais publier quelque chose sans le faire lire à des gens de confiance, quoi. Des amis de confiance. Et c'est des amis, des amis, oui. Alors, il faut se méfier parce que les amis, des fois, ils sont trop indulgents. Mais enfin, il y a d'autres qui sont trop sévères. Et ça, jamais je lâcherai un truc sans le. Voilà. Vous faites lire à beaucoup de personnes ou... Non, non. À 3 ou 4. Quoi. 3 ou 4. Ah oui, du coup, tout à l'heure, vous disiez que vous étiez tellement en rage qu'on vous dise ça, c'est une nouvelle pour toi, que vous avez écrit une nouvelle là-dessus. Oui. Du coup, l'écriture, est-ce qu'elle a souvent cette portée cathartique pour vous? De coucher sa rage, ses sentiments forts sur papier pour ensuite ne plus avoir à y penser? Non, pas bon. D'abord, je suis assez placide. Rarement en colère. Là, ça m'énervait, cette histoire de c'est une nouvelle pour vous.
Donc, c'est vrai. Mais alors, qu'est-ce qui fait que vous choisissez un sujet de nouvelle plutôt qu'un autre ou... Si c'est pas, si c'est pas barrage. Je me le dis à moi-même, ça c'est une nouvelle pour toi. Je veux pas que les, je veux pas que les autres me le disent. Alors, il y a j'ai d'autres amis qui, eux, disent, ont compris le truc et me disent « Ah, c'est une nouvelle pour toi, mais c'est pour rigoler, c'est pour plaisanter. Oui. » D'autres questions sur cet aspect-là ou... Oui. Donc, vous disiez, je reviens sur le roman qui est un compagnon quand il est en cours d'écriture. Et la nouvelle que donc, vous avez pu s'assimiler à un article ou un reportage, quelque chose de, finalement de moins intime. Est-ce que, donc, au-delà de cette différence aussi de longueur entre le roman et la nouvelle, est-ce que vous considérez qu'on se dévoile forcément beaucoup plus dans un roman que dans une nouvelle ? Sûrement, oui, sûrement. Même lorsque ce n'est pas donc, autobiographique ? Oui, même si ce n'est pas autobiographique, il y a toujours... Moi, il y a des romans que je considère les plus autobiographiques, c'est ceux où il n'y a rien de ma vie, où c'est la vie de famille, où il y a inventé ou emprunté à des gens que j'ai vus, mais c'est mes sentiments. Voilà. Déjà arrivé de lire des écrivains qui utilisaient la vulgarité comme style, et qu'est-ce que vous en pensez en tant que lecteur ou même écrivain ou éditeur quand vous lisez ce genre de procédé pour construire un roman? C'est encore plus difficile de réussir dans la vulgarité, je crois. Hein. C'est simplement vulgaire, ça n'a pas d'intérêt, ou même c'est parfois insupportable, mais si ça devient une rhétorique, une stylistique, pourquoi pas, faut voir. Tu pensais à des auteurs particuliers ? Il n'y en a qu'un seul qui me venait en tête à l'instant, c'était Bukowski. Je ne sais pas si... Oui, il y a Bukowski, oui. Qu'est-ce que vous pensez ? Oui, non, bon, mais c'est pas facile de faire du Bukowski, finalement. Alors, Emmanuel ? Oui. Ah, tu voulais en parler ? Bon, on va revenir après. Moi, je m'interroge sur un univers bien particulier que vous mettez souvent en scène dans votre œuvre, c'est celui de la fête foraine de la foire, puisqu'il semble rassembler des valeurs contradictoires en fait dans votre œuvre. À la fois, il est décrit comme un univers de rêve où l'amour peut naître et un lieu un peu à paillettes. Et de l'autre côté, vous le présentez aussi comme un lieu désenchanté, assez misérable, où la désillusion arrive assez facilement. Et je me demandais si aborder cet univers-là dans votre écriture, c'était une façon de déguiser le malheur en rire, comme vous dites dans le Pierrot Noir. D'abord, il y a une source à ça, c'était que bon, j'étais élevé à Pau, alors je l'ai répété, tous les mois de novembre, il y avait une fête sur la place de Verdun, c'était la foire Saint-Martin, avec tous les jours les mêmes manèges, les mêmes loteries qui revenaient, tout ça. C'est très très riche comme l'utilisation romanesque qu'on peut en faire, justement. Et puis les années passent, donc arrive aussi la décadence, les forains qui disparaissent, qui vieillissent, qui deviennent misérables, etc. Donc, en plus, elle est très mythique, cette foire Saint-Martin. Il y a Paul Jean Toulet qui a fait un poème là-dessus. Et moi, je tenais plus en place quand il y avait cette foire en novembre. J'allais tout le temps, il y avait des manèges mes manèges préférés, mais une misérable loterie aussi où on gagnait des bouts de nougat. En fait. Voilà, donc,
Donc ça a joué. Mais enfin, c'est vrai que c'est un très bon rôle symbolique, quoi. C'est très. Et est-ce que par rapport à l'humour, justement, parce que vos textes sont assez mélancoliques souvent, mais d'un autre côté, votre façon de le présenter fait qu'on s'attache aux personnages, qu'on rit un peu d'eux et de nous-mêmes, en fait, à travers eux. Oui, oui. Et je me demandais si, justement, pour vous, l'humour dans vos textes, c'était une façon de faire contrepoids à la même chose. Il faut quand même un peu d'humour, un peu d'ironie. Mais je reviens une seconde, si vous permettez, sur cette histoire de la foire Saint-Martin. Bon, il y avait une grande loterie, là, très spectaculaire, qui s'appelait le Pierrot Noir. Parce que celui qui l'animait, là, était habillé en costume Pierrot, en satin, mais pas en satin blanc, en satin noir. Et ça me frappait beaucoup, et je l'ai peint dans le roman, dans le ciné-roman, allant et venant sur la scène de sa loterie, complètement muet, silencieux, avec des gestes, etc. Et les gens qui ont connu le Pierrot Noir et qui me connaissaient m'ont dit, mais disons, tu ne sais pas ça du tout, il était célèbre pour son bagou, parce qu'il n'arrêtait pas de blaguer, se moquer de sa femme, etc. Il parlait tout le temps. Et ben, je me souviens d'un personnage muet. Oui. Est-ce que justement vous vous inspirez de personnes que vous connaissez dans la vraie vie pour décrire vos personnages, ou est-ce que vous les inventez de toutes pièces? Ça peut arriver, mais c'est pas par. C'est pas par méchanceté, quoi. C'est... Bon, et puis alors, on sait jamais comment nos héros vont prendre ça. Hein. Il y en a qui prennent ça très bien, d'autres très mal. Et on se trompe. Moi, j'ai cru. Bon, en roman, j'ai cru faire l'éloge d'une femme, et puis. Quand elle le lit, elle dit t'as fait moi une putain. Mais le plus fort, c'est le palais d'hiver, quand même. Je ne sais pas si vous voyez. L'héroïne, Lydia, il y avait un modèle. Il y avait un modèle qui était une femme qui était notre voisine à Pau. Et alors, c'était une femme. Sale caractère, qui se fâchait avec tout le monde, là. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre, je commençais de façon assez fidèle, et puis j'ai dit, oh, je ne vais pas m'embêter pendant tout un roman avec une femme aussi méchante, alors j'ai changé son caractère, j'ai fait plutôt gentille. Enfin, bon. Je l'avais prévenu que d'enfant ça m'intéressait son destin, qui était un peu parallèle à celui de la ville de Pau, qui avait connu une grandeur et une décadence, et puis à celui de l'époque aussi. Bon. Et elle m'avait autorisé à faire ça. Quand j'ai eu fini, je lui ai fait lire. Elle était plutôt contente. Et puis elle a changé d'avis. Parce que je pense que les gens du pays ont dû se moquer d'elle. Et alors, comme elle était fâchée déjà avec sa famille, et cette très belle propriété que je décris au début, là, où j'allais souvent en vacances et qui me plaisait beaucoup, elle avait dit qu'elle allait me la léguer. Et finalement, après avoir lu le palais d'hiver, elle a changé son testament. Et elle a légué la propriété à la commune à condition d'en faire des logements sociaux pour vieillards. Oui, bon. Ça attend qu'une magnifique propriété m'ait passé sous le nez. Donc la littérature a une action sur la réalité. Et alors, il y a 2 ans, je reçois une lettre de la ville de bibliothécaire de ce village qui s'appelle Beauvoir-sur-Niort, qui est dans les Deux-Sèvres, qui me dit, j'avais transposé, j'avais un Anjou dans le roman. Enfin bon, elle me dit,
Bon, la bibliothèque municipale est installée dans les anciennes écuries de la propriété. Et on voudrait l'appeler Bibliothèque Roger Grenier. Alors je réponds, j'ai écouté Lily, elle va se retourner dans sa tombe, hein, elle m'a maudit. Ne ça fait rien, ça fait rien. Et alors donc on fixe un jour, et puis j'arrive un jour, et je suis reçu à dans les écuries donc, de la bibliothèque, avec des gens, on discute avec le public, etc., des signatures, faites tout ce que vous voulez. Et puis arrivé le soir, le maire du village me dit, vous savez, on ne pourra pas l'appeler bibliothèque Roger Grenier, tous les notables du pays s'y opposent. Ça, c'est pas enfin. Vous avez dit que dans ce cas-là, vous choisissiez les gens, vous avez précisé, mais pas par méchanceté. Non, d'ailleurs. Aucun auteur, je ne sais pas ce que c'est. Ah, si, enfin, il peut y avoir des auteurs. C'est la nature humaine, quoi. On prend ces modèles dans la nature. Et Benjamin, il y avait une. Oui, c'était par rapport à votre processus de création. Vous disiez que vous faisiez très peu de plans. Du coup, je pensais à la phrase de Picasso qui disait. Je ne cherche pas, je trouve. Est-ce que l'écriture s'alimente de l'écriture, en fait ? Je sais pas si c'est clair. Un peu, oui, quand même un peu, oui. Parce que vous disiez que vous réfléchissez beaucoup aussi avant d'écrire. Hein ? Je réfléchis très longtemps, oui. Voilà. Pas très longtemps, et puis des fois je ne trouve pas le joint. Il faut que j'ai trouvé vraiment. Alors, ce qui est. Très souvent, ce qui arrive, c'est que, bon, il y a des moments que j'ai vus ou. Vécu, enfin, connu, qui me dit, je me dis, ça c'est serait bon pour un roman, et puis je sais pas comment organiser ça, et c'est souvent en greffant un personnage qui a rien à voir dedans que ça marche. Moi je fais ça pour un roman qui s'appelle Les Embuscades. Là il y avait trois épisodes de ma vie que je trouvais, j'avais envie de mettre dans un roman. C'était sous l'occupation, les passages en Espagne dans les Pyrénées, la libération de Paris et puis la guerre civile de Grèce où j'avais été comme journaliste. Et je trouvais pas le moyen de. Et puis j'ai trouvé un personnage de femme qui permet de lier tout ça. C'est un peu par l'écriture que vous trouvez la solution. C'est en écrivant. Non, c'est en réfléchissant. Je me demandais si, quand vous écrivez un livre, au préalable, vous réfléchissez à votre histoire. Mais est-ce que la fin, vous l'avez réfléchi aussi ou elle est venue, en fait, depuis le temps d'écrire. Non, en général, quand je mets à écrire, c'est que c'est tout dans ma tête. Enfin, je sais à peu près où ça va. Alors, Blandine. Je voulais savoir exactement comment vous exercez votre métier d'éditeur, comment vous fonctionnez avec les auteurs, comment vous les accompagnez dans leur écriture. Bon, c'est un métier qui a beaucoup changé, je dois dire. Non, quand j'ai débuté, être lecteur dans une maison d'édition, moi je comparais ça au goûteur du temps des rois. Là, hein, c'est-à-dire que si c'était bon, là, on séchait les babines, si c'était mauvais, on roulait par terre empoisonné. C'était ça, un goûteur. Et l'auteur n'aimait pas du tout qu'on suggère des corrections. Là, on disait, on voulait changer une virgule, il se vexait, il partait, il reprenait son esprit, il partait ailleurs. Et puis, sous l'influence de ce qui se passait en Amérique, ça a complètement évolué. Parce qu'en Amérique, le lecteur, on l'appelle éditeur. Et il accompagne l'auteur alors du
du début à la fin, même du moment où il a l'idée de son roman, bon, toute époque, tout le monde il écrit, il peut donner des conseils, et puis quand le livre est prêt, voir aussi si ça marche à la sortie, etc. Enfin, c'est un compagnon permanent. Et alors, cette façon de faire est venue en France. Maintenant, on ne dit plus même chez Gallimard, on dit plus lecteur, on dit éditeur. Et les auteurs qui avancent vexés pour un mot, là, on demande tout le temps quoi, des conseils, comment corriger, etc. Alors maintenant en Amérique, cette ère est finie. C'est l'agent qui fait tout. Quand on écrit un roman, il faut trouver un agent qui veuille s'en charger. Alors c'est lui qui va donner tous les conseils, qui va faire corriger, refaire, etc. Et qui le placera ensuite au plus offrant. Ça, c'est pas encore ouvert en France, heureusement. Quel regard justement vous portez sur l'évolution de l'édition et de votre métier, vous, d'éditeur ? Tant que les maisons ne perdent pas trop leur âme, qui recherchent la qualité littéraire, et il y a des maisons qui cherchent à faire des coups, hein, voilà, un truc qui vend énormément. Bon, j'ai la chance d'être dans une maison qui ne résonne pas comme ça, où ils préfèrent les long-sellers aux best-sellers. On se dit, quand on a commencé à publier Gide, Valérie, Claudel, non seulement ils n'avaient aucun public, mais ça paraissait ridicule de les publier. Et puis c'est devenu des classiques. Alors on espère toujours, quand on s'intéresse à un auteur, qu'il va devenir lui aussi un classique dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Bon, ça marche comme ça. Tant que c'est comme ça, on n'a pas trop perdu son âme, ça va quoi. Alors, c'est plutôt des questions commerciales qui font bouger, qui font peur un peu, comme l'importance d'Amazon. Si Amazon fait crever les libraires, ça va bouleverser l'édition. Hein, non. C'est ça beaucoup plus que le numérique, ouais, finalement. Et, du coup, par exemple, avec Daniel Pénac, comment vous fonctionnez pour avoir un exemple précis de... Je ne connaissais pas Pénac. J'avais lu ses premiers livres, là, Le Bonheur des Ogres. La série des Malocènes, comme ça. Et puis, un jour sur le trottoir, donc chez Gallimard, on se croise et il me regarde, je le regarde. Il me dit, vous êtes Roger Grelier ? Je lui dis, vous êtes Daniel Pénac ? Et on est devenus amis, vraiment, très très, très amis. Je pense. Et alors, du coup, je lis ses livres, les livres quand il les prépare, on discute. Moi j'aime beaucoup Pénac, il est très intelligent. Et alors ce qui est curieux, c'est que, bon, on apprécie beaucoup ces policiers, puis ça marchait très bien. Hein. Et puis il se met à faire un livre sur la lecture, hein, comme un roman. Alors on dit, on le prend. Pour lui faire plaisir, hein. et puis j'ai l'idée de mettre en quatrième de couverture ce qui était à l'intérieur du livre, les 10 commandements du lecteur, et c'est ça qui a fait qu'il est devenu un auteur qu'ils ont énormément, très important, hein. C'est complètement inattendu quoi. Lui, il n'était pas tellement d'accord qu'on mette ça sur la quatrième couverture. Voilà. Et voilà, c'était à partir de ce moment-là. Mais quand vous échangez sur un manuscrit avec Pénac, par exemple, c'est sur quoi ? C'est sur l'écriture elle-même, sur la construction, sur tout ? Je ne sais pas, c'est pas... Sur l'ensemble. Sur l'ensemble. Enfin, il a aussi un très très grand ami et lecteur qui est Jean-Marie Leclaftine. Donc vous faites partie des quelques lecteurs qu'il a autour de lui, qui il a confiance. Oui, puis c'est vraiment devenu un
un ami, quoi. J'aime beaucoup Pénac. Non, non, mais si, vas-y, vas-y, vous avez le temps. Non, non, je vais. Non, j'ai plein de questions qui me tiennent. Est-ce qu'il y a d'autres. Combien de temps ça prend, du coup, entre l'idée de. L'auteur arrive avec une idée de manuscrit, avec un manuscrit déjà très avancé, le temps que ça prend. Alors, j'imagine que ça doit changer pour chaque auteur, mais. Combien de fois vous vous rencontrez on peut discuter beaucoup avec un auteur, mais en général, on refuse de lire un manuscrit qui n'est pas achevé, parce que ça donne une fausse idée. Hein. Bon, maintenant, on reçoit des manuscrits, enfin, c'est même pas un manuscrit, on reçoit un fichier électronique, on reçoit. Il faut se taper d'un seul imprimé. Du coup, juste le fonctionnement du comité de lecture chez Gallimard, comment ça se passe? C'est une institution un peu mythique, ce comité de lecture. Hein, parce que il n'y avait même jamais eu de photo avant le centenaire de Gallimard. Et Jean d'Ormesson avait dit, c'est une boutade, mais enfin, il y avait un fond de vérité, c'est plus difficile d'entrer au comité de lecture de Gallimard que d'entrer à l'Académie française. Et le premier jour où on siège au comité de lecture, on est plus impressionné que le jour où on est reçu à l'Académie. Bon, c'est pas vrai, mais enfin, il y a un fond de vérité. Et alors, et puis, donc c'est composé d'écrivains, quoi. Encore que maintenant... Anthony Gallimard a envie de casser un peu ça, alors il a mis deux personnes dans le comité qui sont de très bons éditeurs, mais qui sont pas écrits, qui n'écrivent pas eux-mêmes. Et alors, comment ça se passe? Jean-François, vous voulez savoir le circuit d'un manuscrit? Bon, alors les manuscrits, ils arrivent soit quelqu'un qui par la poste. Bon, Le Clésio, par exemple, qui est arrivé par la poste. Soit il dépose à l'entrée, à la réception. Soit ce qu'ils aiment mieux, c'est connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un, parce que c'est mieux que de mettre anonymement le nom d'éditeur. Et puis, alors, il y a, comme il en arrive quand même des tonnes, il y a déjà des gens chargés de trier les manuscrits. Avant, on faisait trier, on voulait tout lire intégralement, mais là maintenant, on a été obligé de passer au tri quand même. Alors, ça veut dire que, moi, j'ai, par curiosité, là, pendant 15 jours, j'ai regardé tous les manuscrits qui arrivaient pour voir, et c'est toujours la même proportion. Alors, il y a les fous qui ont inventé une équation mathématique qui explique que... Le monde entier, ben bon, la couleur du plafond, et pourquoi, etc., et votre cravate. Là. Ensuite, il y a les érotomanes qui se défoulent, et puis des gens âgés qui ont eu une vie tout à fait banale et qui pensent que c'est très intéressant et qui écrivent leur mémoire. Alors, tout ça, on peut l'écarter déjà. Alors, après, on donne des manuscrits à une première équipe de lecteurs. Donc un lecteur, et puis deux, et puis souvent trois, et qui, disons si c'est un roman, qui résume le roman. Ça c'est une précaution contre le lecteur, on va pouvoir voir s'il a vraiment lu jusqu'au bout. Et puis qui disent ce qu'ils trouvent bien, ce qu'ils trouvent pas bien, et puis qui mettent une note comme à l'école. Parce que un, c'est la bonne note. Un, c'est la bonne note, ça va jusqu'à deux, trois, enfin pas plus loin. Alors évidemment, on invente, quand une notation est trop simplifiée comme ça, on invente des nuances, un 25, un 50 allant vers un 175, enfin, c'est comme ça. Alors si ça franchit ce premier barrage de lecteurs, ça va à une seconde équipe de lecteurs qui sont les gens du comité de lecture. En général, les premiers lecteurs sont assez indulgents parce que
moins grave de laisser passer un mauvais livre que de refuser un chef-d'œuvre. Et il reste un traumatisme dans cette maison qui refusait Proust et Céline. Bon. Alors, sur le comité d'éditeur, ben, c'est pareil, il y a le rapport, la note, mais en plus, il y a des réunions. Et alors, dès que deux lecteurs ont lu le même manuscrit, ils sont invités à en parler. Et s'ils ne sont pas d'accord, on le donne un troisième. Et ainsi, ça peut aller assez loin, des fois. Là. Actuellement, il y a un manuscrit qui est en cinquième lecture. Mais en fait, ce sont des avis purement consultatifs, parce que la décision appartient à Antoine Gallimard et à personne d'autre. Alors, mais bon, ça dit, il joue le jeu, quoi. Il suit les avis, il voit les rapports. Hein. Mais enfin, alors lui, il peut dire on le prend, ou on le refuse, ou je veux une lecture de plus. Voilà. Ça se passe comme ça. Et alors, au début, là, les gens étaient d'une extraordinaire courtoisie au comité de lecture. Ils disaient oui, je vois que vous avez beaucoup apprécié ce livre. Je ne partage pas tout à fait votre avis. Alors, vous avez mis moi je mettrais un 25, peut-être un et demi. Enfin, voilà. Et puis ça a évolué, maintenant c'est un peu plus brutal. On dit, oh, tu trouves ça bien, moi je trouve ça dégueulasse. Et puis alors évidemment, les Gallimard, on se méfie des connivences. Alors, la distribution du manuscrit à lire, on essaie d'éviter les gens qui ont les mêmes goûts, qui sont trop amis. Enfin, bon. Moi, je me rappelle une fois, il y avait Claude Roy qui termine son exposé sur un roman en disant « Ah, c'est un livre qui te plairait bien, Roger, tu ne veux pas le lire après moi ?» Ce qu'il n'aurait pas dû dire. Et je vois immédiatement Claude Gallimard qui se penche vers sa secrétaire et qui dit « Vous le donnerez à Queneau. » C'est rude comme ambiance alors. Non, c'est normal. Oui. On pourrait aussi imaginer que c'est par goût aussi qu'on publie les choses. Donc. Oui, mais je veux dire, on se méfie de. S'il y a deux personnes qui ont le même goût, alors ça, c'est même pas la peine qu'il y ait deux lectures. Hein. Donc on cherche plutôt des gens qui ne sont pas d'accord d'habitude et voir comment ils réagissent. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que, dans votre avis, dans quelle proportion être un fils de aide la publication, je pense notamment à Marie-Élie, par exemple. Attendez, j'entends pas bien. Dans quelle proportion vous pensez qu'être le fils de quelqu'un qui a déjà publié extensivement aide, je pense notamment à Marie-Élie. Quelqu'un présente un manuscrit puis on le refuse, bon, c'est quand même un tel investissement sentimental dans l'écriture que c'est dur. Mais ce que je trouve pire, c'est quelqu'un qui a fait 4-5 livres et puis tout à coup on dit « Ah ben non, ça marche pas, on n'y croit plus, etc. On ne veut plus d'où. » C'est comme si on vous condamnait à mort. Hein. Ça arrive, ça. La question, c'était aussi sur Marie Nimier. Est-ce que le fait d'être la fille de Nimier, ah oui, ben, ça joue pas grand, elle n'a pas beaucoup de rapport avec son père, finalement. Moi, je connais bien Marie Nimier, elle est très sympathique, elle manque pas de talent, mais elle a pas grand-chose à voir avec Roger Nimier. Son livre qu'il avait fait connaître, c'était quand même une question sur son père. Je pense que quand elle a débuté, il était déjà mort, d'ailleurs. Oui. Vous aviez parlé de Queneau en disant que justement il fallait que les livres soient relus par lui. Est-ce que vos goûts littéraires sont complètement différents? Comment ça? Avec Queneau? Avec Queneau, est-ce que par exemple un livre qui va beaucoup lui plaire à vous est plus susceptible de moins vous plaire?
Ou est-ce qu'il y a quand même des lectures dans lesquelles vous vous retrouvez Ah bah, parfois on est d'accord, oui. Quand même, oui. Non, mais... Enfin, ce serait quel livre, par exemple, sur lesquels vous avez tous les deux été enchantés Bah, disons, Modiano. Plus largement aussi, j'aimerais savoir... Quels sont vos rapports avec les autres maisons d'édition, avec Minuit, avec étant chez Gallimard? Est-ce que vous avez des contacts? Avant, je connaissais un peu tout le monde dans toutes les maisons d'édition et j'avais des amis et des fois on parlait même, un manuscrit s'était baladé chez l'un, chez l'autre, etc. Maintenant, ça c'est un effet de l'âge, je ne connais plus les gens dans les maisons d'édition, je ne connais plus les nouvelles maisons. Mais moi, ça m'est arrivé deux ou trois fois qu'il y a un nouvel auteur, je m'intéresse à lui, et puis un camarade dans une autre maison aussi, et qu'on se dit, bon, on va pas se tirer à la bourre. Hein, le premier qui marche, tant mieux pour l'auteur. Quoi. Ça m'est arrivé, oui, pour... François Henri, pour Catherine Lefranc. Mais alors maintenant, il faut dire que déjà rien qu'à l'intérieur de la maison, il y a un groupe, c'est un groupe énorme, surtout depuis le rachat de Flammarion, encore plus. Donc Gallimard, ça comprend Gallimard, la Table Ronde, POL, le Mercure de France, Flammarion, Artaud. Parce que pour parler de Gary, que je connais un peu, mais c'est vrai que quand il a envoyé le manuscrit qui est arrivé par la poste, d'ailleurs, qui était sous le nom de Hajar, le gros câlin, justement, ça avait été publié pas chez Gallimard, mais au Mercure de France. Alors ça je vais pourquoi, c'était parce que je me rappelle plus si c'était Queneau ou Caillois qui l'a lu et qui en a parlé au comité de lecture, là j'étais là, et il a dit c'est très bien, mais c'est pas un livre de débutant, ça c'est pas possible que ce soit un livre de débutant, ça sent professionnel. Alors on a eu peur, on n'a pas. C'est-à-dire, on s'en sert encore dans un piège. Et alors, lâchement, on l'a refilé au Mercure de France. Vous regrettez ? Hein ? Vous regrettez ? Bon, ça ne changeait rien. Ça ne changeait rien, en fait. Il faut dire que c'est quand même la même maison d'édition. Enfin, c'est le même groupe. Quoi. C'est le même groupe, mais en principe... Chaque éditeur du groupe garde son indépendance éditoriale, parce que sinon ça ne marcherait pas. Si c'était nous qui décidions, ben ça c'est bon pour De Noël, ça c'est bon pour le Mercure, ça encourt à la catastrophe, absolument. Il faut que chacun reste indépendant. Mais avec des éditeurs qui ne sont pas dans le même groupe, par exemple, je pensais à Minuit, par exemple, qui a été un exemple. Est-ce qu'il peut y avoir des échanges de bons procédés Oui, c'est pas la guerre. Non. C'est pas la guerre. Non. Je vois, dans l'histoire de l'édition, là, il y avait, dans le fond, les vieux Bernard Grasset et Gaston Gallimard, et ils étaient concurrents à mort, et en même temps, ils s'aimaient bien. Ils avaient des réunions. Ils faisaient des réunions, des fois, pour faire un minimum d'entente, quand même. Parce que, surtout à un moment où alors les éditeurs annonçaient des tirages extraordinaires là, pour impressionner le public, alors que c'était pas vrai. Alors, oui, le 10e mille, le 25e mille. Oui, alors il avait fait une réunion comme ça pour abandonner ce procédé. Et puis en sortant, Grasset dit à Gaston Gallimard, on doublera quand même le chiffre. Hein.
La façon de compter d'ailleurs était très curieuse parce que les 1000, quand on est les 1000, c'était 500. C'était 500. Quand on est 3e 1000, ça voulait dire qu'il y avait 1500. Et édition, ça voulait dire 1000. Donc 6e édition, ça voulait dire 3e 1000, donc 1500 en fait. Hein. C'était une façon de compter très très bizarre. plus à ce moment-là, pas exact. Bon, si vous voulez, 1000, c'était 500, donc, mais plus, on ajoutait 10%, donc 550, parce qu'il y avait 50 sur lesquels, qu'on appelait la passe, sur lesquels on ne payait pas les droits d'auteur. C'était pour compenser les volumes perdus, volés, abîmés. Mais là, ça n'existe plus, la passe. Mais avant, tout tirage était augmenté de 10%, et ces 10% ont fait que l'auteur n'avait aucun droit. Oui, c'est toujours impressionnant quand on voit des livres, c'est 25e édition, 25e 1000. 25e 1000, oui, qui est, en fait c'est 12005. C'était 12005. Et... Plus 125. Je me rappellerai, ben, pour comptabiliser. C'est Julie. Alors, moi, ma question, ça découle un peu de la discussion qui vient d'avoir lieu. Par rapport à votre expérience d'éditeur, justement, et d'auteur, quels conseils vous pourriez donner aux jeunes écrivains d'aujourd'hui, par exemple, qui souhaiteraient être publiés ou... On ne sait pas. J'ai tenté sa chance, hein, mais... Quand même, c'est très ouvert, n'importe qui peut apporter un manuscrit, on est sûr qu'il sera lu. Ben. Mais est-ce qu'il a des choses à éviter, par exemple ? Je ne sais pas, à éviter. Non, la seule chose qui compte, c'est la qualité du manuscrit. Ça me fait penser, là, oui, c'est pas passé chez Gallimard ou chez De Noël, il y avait. Quelqu'un qui se présente à la réception et qui dit, voilà, j'ai écrit un manuscrit, qu'est-ce que je dois faire? Alors, la réceptionniste lui dit, mais c'est très simple, vous le déposez, vous me le donnez, et dans 3 semaines, vous allez recevoir une lettre de refus. Vous auriez des conseils, non pas sur la publication, mais sur la manière d'écrire, de produire. Ah bah oui, c'est bien sûr. On peut critiquer, bah on est là pour ça. On est là pour critiquer les... Mais les auteurs, des fois, sont très très entêtés. Hein, dans ce master, on apprend justement à se remettre en cause au niveau de l'écriture. Oui, bien sûr. Il y a des ateliers d'écriture ? Oui, il y a des ateliers d'écriture. La seule fois où j'ai participé à un atelier d'écriture, hein, je suis assez ignorant, c'est en Amérique en plus, à Duke, à Chapel Hill, il y avait, en Caroline du Nord. Et alors, c'était tout en anglais. Les gens... Une fois par semaine, ils venaient, ils lisaient ce qu'ils avaient écrit pendant la semaine. Et les autres critiquaient. C'est ça l'atelier d'écriture. Mais comme ils disaient ça avec l'accent du Sud, je ne comprenais rien. Et puis on me demandait ce que j'en pensais. Hein. Et alors je disais un peu n'importe quoi. Trop d'adjectifs. C'est peut-être en fait difficile de donner des conseils en général. Des conseils, ça peut se donner par rapport à un manuscrit donné ou à quelque chose qui est déjà fait. Mais je trouve la seule règle, c'est le besoin d'écrire. Si on a envie, bon, il faut le faire. Quoi. Les gens qui se forceraient alors qu'ils n'ont pas envie d'écrire, ça n'a pas de sens.
Enfin, il y en a un certain nombre qui ont envie d'écrire. Elsa ? Bonjour. Oui. On a remarqué que plusieurs fins du roman restent ouvertes, comme si la vie suivait son cours. Par exemple, dans le ciné roman, les derniers mots sont à une autre fois. Dans les embuscades, ils sont avant même le terme du voyage, ils cessaient d'avoir besoin de ma présence. Et du coup, je me suis demandé si vous séparer de vos personnages était quelque chose de difficile quand vous achevez l'écriture d'un roman. Et est-ce que même c'est possible d'achever à un moment donné l'écriture d'un roman? Non, c'est la raison est un peu différente. C'est une chose que j'ai apprise de Tchekhov. Bon, jusqu'à Tchekhov, les nouvelles, l'art de la nouvelle, ça serait trop long de dire depuis la Renaissance jusqu'à nos jours, le sens du mot a changé. Hein. Mais la nouvelle était une chose bien bouclée, avec une chute, une fin, une chute. Souvent même, la nouvelle n'était écrite que pour préparer la chute, le dernier un bon mot de la fin, etc. Et Tchekhov, les nouvelles, si on regarde Tchekhov, à la fin ça rebondit, c'est toujours ouvert. Bon, pour un exemple, Tchekhov, il a souvent peint des héroïnes qui sont des provinciales qui font que dire à Moscou, à Moscou, à Moscou. Et alors, il y a une des nouvelles qui s'appelle La fiancée, où la fille elle part pour Moscou, elle part définitivement. Et Tchekhov ajoute à ce qu'elle croyait. Donc ça ouvre, alors l'imagination rebondit, on peut rêver. C'est plus utile pour les nouvelles encore que pour les romans. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie d'abandonner tout à fait ces personnages et qu'on peut imaginer qu'ils vont vivre autre chose. Oui. D'ailleurs, peut-être pour rebondir. Est-ce que Lydia occupe une place spéciale parmi vos personnages? Parce qu'il y a une phrase qui m'a marqué à la fin de Palais d'hiver. Donc vous, au dernier chapitre, vous écrivez « C'est assez effrayant, une vie qui continue, alors qu'il n'y a plus rien à raconter. Que dire de Lydia ?» Là, pour le coup, on a vraiment l'impression que vous ne voulez pas la quitter, en fait. Et que vous avez du mal à lui dire au revoir à Lydia. Est-ce que c'est un personnage important? C'est un roman quand même assez dense, assez gros... Et qui tourne entièrement autour de ce personnage, donc on voudrait que ça continue, mais elle est tellement abîmée qu'on ne peut pas continuer. Hein. C'est un enfer. Et est-ce que vous, même après avoir publié un roman, vous imaginez la suite de la vie de vos personnages? Est-ce que vous savez comment Lydia continue? Non. Non. Je les abandonne, les orphelins. C'est terrible. Il y a, dans la littérature, c'est parfois très poignant. La fin de La Montagne Magique, c'est une violence. Il abandonne son personnage sur les champs de bataille et on le perd de vue. Et alors qu'on s'est attaché à lui quand même. Du coup, est-ce qu'il y a des nouvelles ou des romans que vous avez regretté publier, ou même des petits passages que vous avez dit après coup, en fait, j'aurais peut-être pas voulu, pas dû. Oui, ça peut arriver, oui. Encore. Pas trop. Oui, j'ai pas de souvenir précis, mais enfin oui, ça peut arriver qu'on dise tiens, ça j'aurais mieux fait de censurer. Mais c'est pas bien de faire de l'autocensure. Et à l'inverse, quel ouvrage dont vous êtes le plus satisfait, dans lequel vous êtes le plus investi, est-ce qu'il y en a un en particulier ou pas? Ça change, ça évolue selon les moments. À un moment, j'avais dans l'ordre du roman, celui que je préférais, c'était Le Pierrot Noir. Je trouvais que c'était un peu comme le Palais d'hiver, mais la génération suivante.
différente et puis ça me touchait plus. Moi. Mais c'est très étrange quand on se sert de. Il y a une bête. On se sert de sa vie. C'est un cousin. Libellule, non ? Cousin. Ouais. Dans le dernier recueil de nouvelles que j'ai publié, ça s'appelle Bref récit pour une longue histoire. J'ai cru faire une chose expérimentale. J'écris la nouvelle qui a pour titre Bref récit pour une longue histoire. Je me suis dit, je vais évoquer une histoire que j'ai vécue. Je vais dire tout ce que je sais, rien de plus, rien de moins. Je vais rien inventer, rien censurer. Et ce sera tout ce que je sais de cette histoire. Et je m'en suis tenu là, mais avec une très très grande rigueur. Et puis le résultat, c'est une nouvelle comme une autre. ça ne se distingue pas du tout. Oui. Alors justement, quel le rapport entre la part d'autobiographie ou de souvenir précis et la part d'invention? Oui, c'est toujours habillé, déguisé. Maintenant, ce qu'il y a, à force d'avoir écrit, il faut que je fasse attention. Je vois si j'ai pas déjà raconté ça. Il faut que je dis, mais ça c'est tellement présent dans l'esprit de ça, j'ai dit déjà l'écrire. Et en effet, c'est en général, c'est ce qui se passe. Et là, je le dis d'ailleurs dans cette nouvelle, à bref récit pour une longue histoire, il y a une image qui m'avait beaucoup frappé. Un soir de Noël, une femme qui court sur un quai de métro en portant un paquet, hein, qui doit être léger, qui doit être un abat-jour, je sais pas quoi. Eh bien, je m'en suis servi trois fois, ça m'entraîne. Il faut faire attention. Oui. J'ai une question justement par rapport à cette idée et justement votre mémoire anecdotique. Il y a justement comme ça certains passages donc, de votre vie que vous allez raconter sur un mode autobiographique et qu'on va retrouver justement dans des récits fiction. C'est possible, oui. Je pense par exemple justement à mai 68, où on va retrouver dans Instantané des passages qui sont quasiment identiques à la nouvelle L'automne en mai. Donc je voulais savoir si c'était une volonté de votre part et est-ce que vous pensez que ça peut... Mais qu'est-ce qui est pareil parce que je ne m'en rends pas compte. Hein. toute la partie justement avec le spectacle des anarchistes et le défilé qui passe devant. Ah oui, oui, oui. Voilà. Donc du coup, c'est pas une volonté. Non, oui. C'est à propos du personnage de Maurice Joyeux à la mutualité. Là. Oui, c'est Maurice Joyeux. Est-ce que le fait que ce soit dans un contexte différent fait qu'on le lit différemment ? Est-ce que par rapport à une fiction ? Oui, quand même. Oui, oui parce que j'ai fait le portrait de Joyeux et évidemment il a servi dans l'automne en mai, vous avez raison. Mais ça aussi, c'est les hasards de la vie. Pourquoi j'ai connu Joyeux ? Ma mère, à la fin de sa vie, elle était rentrée à Paris, elle habitait rue Caulaincourt, et à deux pas de chez elle, il y avait rue Lamarque, une librairie, qui était la librairie de Maurice Joyeux. Et puis un jour, elle voit un livre de moi dans la vitrine. Ça c'est ma mère, hein. elle entre, elle dit, je suis la mère de l'auteur. Joyeux dit, je voudrais le connaître, etc. Et c'est comme ça que je suis devenu copain avec Joyeux, et tous les anards de Montmartre, et le groupe Louise Michel. Et Joyeux était bien avec Camus aussi. Ah oui. Camus l'estimait beaucoup.
n'était pas très anarchiste, Camus. Hein? Camus n'était pas très anarchiste. Si, il était plus proche des libertaires que des communistes. Oui, ça, que des communistes. Mais non, mais il était assez proche des libertaires, surtout les Espagnols. Surtout les Espagnols. Son côté moitié espagnol, on l'oublie toujours, mais il est bien là. Peut-être une dernière question, Catherine? Oui, encore, ouais, encore. Dans Regardez la neige qui tombe, vous mettez en exergue une phrase de Tchekhov. Pour qui est-ce que j'écris? Oui. Donc on a envie de vous retourner la question. Pour qui écrit le bourreau, les grenouilles? Je sais pas. Je sais pas. C'est peut-être égoïste, c'est peut-être le plaisir d'écrire. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les membres de l'actuel comité de lecture chez Gallimard? Les membres du comité de lecture. Alors là, j'en oublie toujours. Hein. Bon. Actuellement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Jean-Marie Laclaptine, il y a Guy Goffet, Michel Brodeau, alors, deux qui ne sont pas écrivains, là, Ludovic Escande et Thomas Simonet, une femme, il y a eu un drame là parce que les dames du féminin sont entretuées et ont obligé les femmes qui étaient du féminin et au comité de lecture de démissionner. Alors, il y a une nouvelle femme qui est Mélisse de Kerandal. Attendez, qui a encore? Oui, j'en dis toujours. Hein. Bon. Ben, j'en ai cité, c'était pas mal. vous êtes combien en tout? Pour une douzaine. Une douzaine. Il y a Pernora, mais bon, il y a Pernora. Et... Alors, les étudiants du master ont fait un exercice qu'ils appellent les ricochets. C'est-à-dire qu'ils ont choisi chacun une phrase dans un de vos livres et ils ont écrit un petit texte dessus. Alors, on va pas, ils sont trop nombreux, ils vous donneront le recueil qui n'est pas tout à fait fini un peu plus tard, mais on va peut-être en lire quelques-uns. Quel honneur! Voilà. Je ne sais pas qui. C'est Laura, Elsa, c'est vous, qui commence? Qui... Ah. Oui, chacun va lire le sien, je pense que c'est mieux. Tu commences, Alain? Oui. Parce que c'est toi qui es train. Je suis partie d'une citation de Instantané, où vous évoquez Romain Gary, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Alors, je suis partie de cette citation. Il faut dire qu'il était bizarrement accoutré, d'ailleurs toujours à contre-temps. En mai 68, on l'a vu sur son 31 avec une cravate, très élégant. Au contraire, pour l'enterrement de Gaulle, il avait revêtu son vieux blouson d'aviateur devenu trop étroit. Un écrivain et un homme que j'admire à la fois pour sa poésie et pour son engagement, ses convictions et ses tours de force. Sans conteste, mon écrivain favori, Romain Gary. Sous votre plume, Roger Grenier, c'est comme s'il vivait encore. Il est là, rue du Bac, dans cet instantané qui se dessine face à moi au cours de ma lecture. Et vous êtes présent aussi, évidemment, Ulysse à vos côtés. Quelques lignes suffisent à remplir mon cœur de sérénité en vous voyant discuter ainsi, tous les trois, si tranquilles, un peu de repos au sein de vos vies si palpitantes. Je ne serai jamais votre voisine, rue du Bac, mais j'aurai désormais dans le cœur l'image de deux grands hommes accompagnés de leur boule d'amour à quatre pattes, dont l'un à l'allure décalée. Pourquoi pas pour cette promenade matinale, encore emmitouflée dans le confort chaleureux de ses chaussons. Oh, c'est drôle.
émouvant parce que c'est vrai que Gary, j'ai rencontré tous les matins. Et quand il voyait avec, à 7h30, là, je descendais le chien, et lui, il venait d'acheter le journal. Et alors, sous l'œil des flics qui gardent Matignon, là, c'est à l'angle de la rue de Varennes et la rue du Bac, alors il voyait le chien, il disait, viens ici, connard. Alors, le chien creusait le dos, et il s'amenait. C'était intéressant. Et ce que ça, je vous l'ai raconté hier, là, il y a le chien est tombé très malade, il allait mourir. Alors, je rencontre une fois encore Gary et je lui dis, tu sais, c'est la dernière fois que tu vois Ulysse, il est condamné. Ah, il s'est mis à sangloter, puis il est allé se cacher sous un porche pour pleurer. D'instantané, une perte de mémoire qui me semble une des plus graves maladies de notre époque. Des souvenirs, des images, des hommages, le fil de la plume comme une manne verte sur les ans, de vieilles histoires, diraient certains. Au détour d'un escalier, sur une affiche défraîchie, dans le secret d'une photo jaunie, des rencontres et des vies. Comme si les mots animés y faisaient revivre un passé éloigné, donner à voir l'invisible et le regarder faire un dernier tour de piste. Une dernière fois allumer les étoiles du chapiteau, les feux de la rampe, la lueur d'une chambre à soi. Qu'est-ce qu'une vie si ce n'est des instants partagés, des sourires échangés? Au cours de ces rencontres, rencontrer un écrivain, un être dans sa multiplicité, une histoire parmi la grande. Ces milliers de visages sont le reflet de celui qui les raconte. Une galerie de portraits, galerie de glace, un enfant au cœur d'un cinéma, prisme de tous ses regards. Non, c'est parti de, oui, de une perte de mémoire qui me semble une des plus graves maladies. Mais oui, c'est vrai. Hein. Moi, je suis partie d'une citation de Regarder la neige qui tombe, l'impression de Tchekhov. La citation qui est « Le roman est un compagnon qui ne vous quitte pas pendant des mois, des années parfois. À tout instant, il vient vous demander un peu de nourriture. Il vous suit partout. » Personnellement, je trouve délicieux de vivre avec un roman. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une drôle de cohabitation. Au début, je n'y faisais pas attention, sa présence était assez discrète. Mais au fur et à mesure, il a pris corps et il s'est imposé. Il a tout envahi. Toutes les pièces de l'appartement, tous les tiroirs de la commode, tous les recoins de mes placards, l'ami de mon pain, les cases de mon cerveau. Ce personnage est encombrant, il me hante. Et plus il grossit, plus je sens une angoisse étreindre ma poitrine. Il fait pression sur moi, il veut le premier rôle, il veut savoir le fin mot de l'histoire. Sauf que moi, je ne sais pas. Alors j'essaie de fuir de toutes mes petites forces mentales. Je tente de le repousser, je le cache dans la bouche d'aération, dans les fissures des murs et des trottoirs. Je le force à se mettre sous le tapis, à s'aplatir pour me laisser de l'espace. Il ne veut pas se laisser faire, alors je rature et je fais des tâches. Ça le fait taire quelques instants. Mais je sais que ce silence ne va pas durer longtemps. Entre les lignes, je le sens bouillir, il ne veut pas rester discret. Il veut que je comprenne que ça n'en est pas fini, que je ne peux pas le laisser comme ça, en plan. Arrête d'insister, je reviendrai quand j'en trouverai le courage. Ferme-la, c'est moi le chef. Je n'avais pas du tout prévu, je pensais qu'il y avait une sélection. Le comité de lecture n'a pas fait son travail. J'ai envie de me le relire parce que je me demande si c'est vraiment. Donc, moi j'étais parti d'une phrase dans le Palais des Livres, dans le chapitre qui s'appelle. La partie qui s'appelle S'en aller. Donc, il disait le droit de se contredire, le droit de s'en aller. Je suis persuadé que l'on ne trouvera jamais mieux pour exprimer la révolte discrète mais irréductible de l'individu, le quant à soi. C'est un chapitre que j'ai relu plusieurs fois. Donc, se contredire et s'en aller. Deux actions qui, à mon sens, constituent le cœur de toute histoire digne d'être racontée. Un personnage dévie brutalement de sa trajectoire, au départ donné comme étant prévisible et déterminé. Le surgissement du hasard au détour d'une journée,
d'une nuit, parvient à rompre l'inertie du quotidien et à imprimer à l'existence une direction tout à fait inattendue. Aussi, la vie d'un personnage de fiction est comparable au trajet d'une boule de billard à laquelle on imprime une poussée initiale, une seule. Tout le reste n'est que heurts et rebonds. Et c'est une véritable science que de concevoir ces heurts, ces rebonds de façon cohérente, jusque dans les situations les plus invraisemblables. C'est toute la science du nouvelliste, du romancier. Se contredire et s'en aller. Le second découle souvent du premier. On s'en va lorsque l'on est devenu incapable de surmonter nos propres contradictions. Et il y a des fautes. On ne voit pas les fautes. J'avais marqué contraction et non pas contradiction. Donc, on s'en va lorsque l'on est devenu incapable de surmonter nos propres contradictions. Il suffit parfois d'un rien pour qu'on franchisse le pas de la porte. C'est sans doute pour cette raison que tant d'histoires commencent par un départ, quelqu'un qui s'en va. Don Quichotte de la Mancha, El Quijote, est souvent considéré comme le premier personnage romanesque de la littérature européenne. C'est en effet un des premiers à s'élancer hors de lui, hors de la raison, et de vivre au-delà de ses contradictions, qui sont aussi nos contradictions, pour partir à l'aventure et vivre à la barbe de la société. L'individu, dans toute son irréductibilité, qui, au lieu de faire ce qu'on attend de lui, fait toute autre chose et se livre entièrement à sa propre folie. Se contredire et s'en aller, je me demande finalement s'il y a une chose plus digne d'être racontée. C'est très juste, ça. Simplement, Baudelaire, c'est une formule de Baudelaire. Vous voulez qu'on rajoute ces deux articles à la Déclaration des droits de l'homme. mais par s'en aller, il faisait en fait allusion au suicide. Ça voulait dire aussi, dans son idée, c'était le suicide. On y pensait à Nerval. C'est Nerval surtout. Mais enfin, c'est ça, vous avez bien exploité. J'ai pris la phrase dans Regarder la neige qui tombe, le chapitre glace dont je parlais tout à l'heure. Olga s'approche de Tchekhov mourant et veut poser un sac de glace pilé sur sa poitrine. Il la repousse en disant : On ne met pas de glace sur un cœur vide. Un énième palais, un palais de glace cette fois. L'œuvre de Tchekhov est un palais de glace. On y trouve de multiples flocons, tous cristaux brillants aux formes parfaites. Les flocons dansent et l'on a envie de héler, regarder la neige qui tombe. Le tourbillonnement des particules de neige donne au ciel une forte clarté. La profusion ne floute pas, elle crée une seule unité, une toile de fond blanche. À chacun son palais. Votre palais de connaissances nous permet de découvrir les palais alentours. C'est un palais éclaireur, un palais géographe qui nous dresse la carte, le menu du jour. Et nous dévorons tour à tour Tchekhov, Fitzgerald, Camus, mais encore vos propres personnages, ceux du palais de papier, du plus vaste des palais, celui où la fiction rompt toutes les limites. Mes modestes personnages seront Camus, Fitzgerald et Tchekhov. Enfin. Qu'est-ce qui reste comme texte? Il en reste encore un ou deux? Il y a Mathieu aussi? Il est pas là. On verra de toute façon. Oui, ce sera précieux ça, hein. Dis donc, quel cadeau. C'est un beau cadeau qui. Un très beau cadeau. Hein. Donc un dernier. Donc moi, je suis partie d'une citation dans votre roman sur Tchekhov. Cela me rappelle que chez les grands auteurs yiddish, j'ai toujours trouvé un côté Tchekhov, une tristesse qui par pudeur se dissimule sous le comique, une vérité qui se termine par une blague, comme l'amer médicament qu'on recouvre de confiture. En fait, pour écrire ce texte, je suis partie d'une expérience, qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on participe à un atelier d'écriture, par exemple. Il mit plusieurs années pour réussir à participer à ces ateliers d'écriture. Il avait toujours une bonne excuse, mauvais horaire, mauvais lieu, mauvais temps. Pourtant, le projet restait là, ancré dans un coin de sa tête, attendant invariablement une excuse encore plus mauvaise que les autres. Il lui fallut attendre qu'une personne de confiance,
qu'un ami avec le même projet, sans mauvaise foi envers lui-même, lui propose de l'accompagner pour qu'il se décide enfin. C'était une secte étrange, récitant des vers de poètes morts comme les psaumes d'un livre saint, s'adonnant à des rituels obscurs mêlant thé, encre, papier et pâtisserie. Les visages souriants de ces adorateurs de la littérature et de l'écriture ne lui inspiraient que méfiance. Premier exercice, écrivez sur la solitude. Sécheresse. Il réfléchissait mais ne trouvait rien à écrire. Non pas que sa vie fût dénuée de moments de solitude, il en avait même des beaux, des dramatiques, des tragiques, qu'un Chateaubriand ou un Hugo auraient retranscrit avec une emphase larmoyante et un festival d'hyperbole sentimentale. Mais lui n'en trouvait d'assez indigne pour être mis sur papier, pour prendre corps dans la lecture à haute voix devant de parfaits inconnus adorateurs de leur stylo. Alors il fit ce qu'il savait faire le mieux, le spectacle. Son numéro était bien rodé, depuis le temps qu'il le répétait. Légèreté, humour noir, désinvolture, tout cela était facile dans son écriture, ça coulait de source. Plus il faisait rire son auditoire, plus le masque se renforçait. On crut même qu'il avait du talent. Les adorateurs lui disaient « J'adore !» Ne savent faire que ça, écoutez tes textes. Il se dupait lui-même à force de distance vis-à-vis de son écriture. Mais on a beau terrer ses malheurs, ses douleurs, ses souffrances, il suffit d'un mot pour que la surface éclate en fragments dérisoires d'une illusion bancale. Une liste de mots fut donnée par l'animateur. À mesure qu'il les écoutait, défilait la trame habituellement comique du texte qu'il allait écrire. Jusqu'au dernier, cerise gâtée en haut d'une pièce montée criarde devenue subitement trop sucrée à son goût. Il tenta d'écrire, butant sur chaque mot, ravalant avec amertume la fluidité de son humour noir. Il tenta d'écrire autre chose, quelque chose d'authentique pour une fois. À mesure qu'il inscrivait avec difficulté des mots qu'il croyait enterrés pour de bon, il sentait son masque rassurant se fissurer. Il avait peur de lui-même, de cette vérité qui, en restant informulée, demeurait dans l'évanescence des idées. Mais à chaque bond de son stylo sur la feuille cuirassée de rature, la vérité prenait corps dans une encre sombre, impossible à nier. Jamais il n'avait écrit de texte aussi mauvais. Il se promit que ses prochains textes retrouveraient leur détachement, qu'il ne se laisserait plus capturer par cette saleté de mots. Il recommença son numéro, légèreté, humour noir, désinvolture. Mais il était trop tard. La fissure du masque était devenue trop profonde à mesure qu'il avait achevé les dernières lignes du texte maudit par la vérité des sentiments. À travers la lumière artificielle des projecteurs, l'obscurité bien réelle avait percé depuis les coulisses. Il apprit à écrire avec cette ombre, non pas en tentant de la cacher, mais en harmonisant cette scission de lui-même, point de suture fait à l'aide d'un stylo et d'un fil gorgé d'encre. Mais à propos de littérature yiddish, c'est vrai qu'il y a des conteurs yiddish qui sont très proches de Tchekhov. Il y a une nouvelle que j'adorais qui s'appelle Bancher le silencieux, qui est l'histoire d'un dessin d'un type qui envole tout le temps, même sa tombe. Et dont l'auteur s'appelle Peretz, qui est un des premiers écrivains yiddish, historiquement. Et puis c'était introuvable ce truc, mais après j'en parlais tout le temps, Bancher le silencieux. Et un jour, Georges Perec me dit, mais c'était mon grand-oncle, Perec. Perec aimait beaucoup Bancher le silencieux, il en parle aussi. Non, mais parce qu'on en a parlé, il m'a donné même la copie d'un journal où avait paru cette nouvelle. Et je ne savais pas que c'était son grand-oncle. Il y en avait d'autres, non, c'est bon, je pense. Non. Merci, Charles. Et on va s'arrêter là, peut-être, pour ce matin. Merci beaucoup à tout le monde. On va passer aux travaux pratiques, maintenant. On va goûter la nourriture. Taxi.
what I'm having for you. It's so fun. Hot springs and Coca-Cola. Overdue. You look so sincere.